Comme vous le voyez, je le disais tantôt, nous sommes sur la voie de Baoulé-Cros, au rond-point de la ville. Vous pouvez voir quand même toute la population au bord de cette route-là, attendant patiemment le président Laurent Gbagbo. On peut attendre de ma position la fanfare qui joue déjà pour créer cette ambiance de fête. Nous vous rappelons que vous êtes en direct sur Voix TV.net depuis Daoulé-Cros. Daoulé-Cros où le président Laurent Gbagbo va rencontrer d'un moment à l'autre le président Henri Konan Bédié. Nous sommes au niveau de la fanfare qui crée l'ambiance ici. Vous êtes en direct sur voitv.net à Daoulé-Cros. Daoulé-Cros, le village natal du président Henri Konan Bédié, qui va accueillir aux environs de 15h45 le président Laurent Gbagbo dans le cadre d'une visite qu'il rend à son aîné. Déjà, les populations, comme vous pouvez le vivre en direct, sont amassées sur la voie principale, la voie de Baoulé-Cros, qui mène à la résidence du président Henri Konan Bédié. Tout à l'heure, nous aurons la réaction de certaines populations, de certains habitants de Daoulé-Cros relativement à cette visite, à cette rencontre entre les deux hommes politiques, les deux leaders, celui du Front Populaire Ivoirien et celui du Parti Démocratique de Côte d'Ivoire, tout à l'heure. Mais avant, il est bien de dire que lors de ce direct, lors de ces interviews que nous allons faire, IvoireTV.net voudrait déjà dire qu'elle n'est pas comptable et responsable de propos qui seront xénophobes, de propos de nature à injurer, à blesser l'autre.
En tout cas, ce seront les aléas du direct, mais Ivoire.tv.net n'est en aucun cas responsable. Et nous allons nous atteler à vite écourter ses propos, si tel que ses propos sont injurieux, sont xénophobes, sont tribalistes et autres. En tout cas. On peut apercevoir ici des délégations qui ne cessent d'affluer vers la résidence du président Henri Konan Bédié, où d'un moment à l'autre, la réception entre les deux hommes d'État aura lieu. Les populations impatientes d'accueillir le président Laurent Gbagbo sont amassées au bord de la route. Bonjour monsieur, on peut vous recueillir quelques propos? Oh, ok, merci. Vous êtes, il faut le rappeler, en direct sur Ivoire.tv.net, la chaîne qui vous fait vivre en direct les événements, qui répond à vos exigences de vous informer. Et là, nous sommes en direct de Daoukro. Daoukro, la ville natale du président Henri Konan Bédié. Nous allons assister à la prestation d'un groupe traditionnel qui a également effectué le déplacement à Daoukro pour apporter une note de gaieté à l'arrivée du président Laurent Gbagbo.
Alors, chers amis d'Iwa TV, vous venez d'assister à une prestation du groupe ABB Renaissance de Daoukro. Pour vous dire que l'ambiance est déjà plantée ici à Daoukro, la fanfare des groupes de danse partout. Ok, vous vous présentez et puis vous dites ce que vous pensez de l'arrivée du président Laurent Gbagbo à Daoukro. Bonsoir à la population de Daoukro. Je me nomme Kofi Kwasi Saturin. Je suis heureux aujourd'hui parce que mon président Gbagbo arrive aujourd'hui ici à Daoukro parce qu'il m'a fait bien ceci passé. Et je le connais bien mon président passé, Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, je le souhaite un bon arrivée parce que ce qui nous appelle, il nous a fait du passé. Ah, j'ai reconnu qu'il nous a fait du bien. Et c'est pour cela que je rends gloire à Dieu pour veiller sur notre population d'Aoukro, que ce qui vient ne qu'à être heureux et Dieu ne qu'à vouloir ça. Amen. Merci. Monsieur, vous, présentez-vous. Je m'appelle Kofi Daniel. Aujourd'hui, c'est l'arrivée ici à Daoukro de notre illustre chef d'État, M. Laurent Gbagbo. En tout cas, la population attend patiemment nos chefs d'État, Laurent Gbagbo. En tout cas, nous sommes dans la joie. Après très longtemps, on n'a pas vu nos chefs d'État, Laurent Gbagbo. Donc aujourd'hui, son arrivée à Daoukro nous fait beaucoup de plaisir. En tout cas, la population attend beaucoup de lui. Ok. Comme vous l'avez entendu de la part des premiers intervenants, c'est la joie d'accueillir le président Laurent Gbagbo. Ils sont impatients de le voir, d'espérer le voir, il faut le dire. Bah, nous allons continuer de vous faire vivre en direct cette ambiance. Bonjour monsieur. On peut vous arracher quelques mots? Quoi? Par rapport à l'arrivée du président Laurent Gbagbo, quels sont vos sentiments? Quels sentiments vous animent? Oui, monsieur, on vient en présent Gbagbo, on est venu à Koyen, à Kéi, quoi. Voilà, pour aller, on est venu. Voilà. Ok, merci. Maman, bonjour. Ça va? Bonjour. Ok, vous l'avez compris, on a réalisé. Elle ne s'exprime pas bien en français. On va continuer de cette visite. Ça se voit que vous êtes heureux de l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Ah, vraiment, ça me fera beaucoup plaisir qu'il sera là parce que ça fait 10 ans de cela qu'il est en prison. Vraiment, ça nous fait plaisir parce que c'est un bon Ivoirien. Donc, s'il vient d'Aoukro, vraiment, je suis vraiment la joie pour moi. Merci. Maman, vous êtes là dans l'attente du président Laurent Gbagbo. Quels sont les sentiments qui vous animent? Hein? Vous attendez le président Laurent Gbagbo, quels sont les sentiments qui vous animent actuellement? En tout cas, on est très content, je ne sais même pas ce que je vais dire. On est très content d'attendre Laurent Gbagbo. On veut le voir, on veut le voir.
Merci, elles sont animées d'un sentiment de joie. Elles espèrent le voir. En tout cas, c'est ce que cette chère dame vient de nous dire. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, il faut rappeler que nous sommes en direct de Daoukro, à la rue Baoulekro, où les populations se sont déjà amassées dans l'espoir de voir le président Laurent Gbagbo qui, aux environs de 15h45, sera ici à Daoukro pour, dans le cadre d'une visite qu'il rend à son année, le président Aimé Henri Konan Bédié. Une visite qui commence aujourd'hui pour s'achever demain. Et tout à l'heure, nous allons vous faire l'étalage de ce programme, mais Thank you.
Chers amis d'Ivoire.net, vous êtes à Daoukro, ici à la place Baoulekro, en tout cas à la rue Baoulekro, la rue principale, ici chez le président Henri Konan-Bédié qui s'apprête à accueillir d'un moment à l'autre son cadet Laurent Gbagbo. Chers téléspectateurs du WATV.net, vous venez de vivre avec nous l'ambiance ici à Daoukro, l'ambiance qui prévaut ici à Daoukro depuis, nous allons dire 11h30, en tout cas depuis l'annonce de l'arrivée de Laurent Gbagbo à Daoukro, en tout cas depuis ce matin en effet, toutes les populations sont en attente du président et aux environs de 16h, le président Laurent Gbagbo sera là. Il sera là dans le cadre d'une visite qui rend à son aîné, le président Henri Konan-Bédié. Et selon le programme défini par le comité d'organisation, bien évidemment, à 15h30, il est prévu ici l'arrivée et l'accueil du président Laurent Gbagbo et sa délégation au corridor de Daoukro. Et ensuite, il sera conduit chez le président Bédié. Il arrivera là-bas à la résidence du président Bédié à 16h. Et à 16h15, à 17h15, il y aura la cérémonie d'accueil. Mais avant, il y aura toutes ces civilités, toutes ces
le protocole d'accueil, vont demander, comme on le dit en Afrique, la nouvelle au président Laurent Gbagbo. Et à la suite de ça, il aura un dîner le soir. Le lendemain matin, à 9h45, il aura, et c'est le programme le plus meublé de ces deux jours, il aura un tête-à-tête entre les deux hommes politiques, un tête-à-tête qui va durer près de 45 minutes, puisque à 10h, ce tête-à-tête va prendre fin pour le départ à Bédiokro, dans le cadre de la visite champêtre, de la visite de la plantation du président Henri Konan Bédié. À la fin de cette promenade champêtre, il aura bien évidemment à 11h30 la séance de travail entre les délégués du PDCI et ceux du FPI. Et après quoi, à 16h, à midi, il aura la lecture du communiqué final des travaux entre ces deux délégations, qui sera lu par le secrétaire exécutif du PDCI RDA, le professeur Djikawé. À la fin de cette lecture de communiqué, à la fin de la publication de ce communiqué, il aura à 13h le déjeuner, et à 14h45, le président Laurent Gbagbo va prendre congé de son aîné Henri Konan Bédié. En tout cas, c'est le programme que nous a communiqué le service de communication du PDCI RDA. Et tout à l'heure, nous allons revenir encore avec un autre direct à l'arrivée du président jusqu'à la résidence et vous faire vivre en direct cet événement important que ceux de Daoukro, les populations de Daoukro attendent et que les populations de Daoukro sont heureuses d'accueillir. Nous vous remercions et à tout à l'heure. Merci d'être connecté sur ivoiretv.net et à bientôt.